Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 6 du pass de combat. Donc voilà, alors c'est un petit tuto défi pour vous montrer tous les emplacements des sommets, des différents sommets plutôt, que moi j'ai découvert avec Audrey et toute l'équipe, donc grosse dédicace à l'équipe. Donc tout simplement, je vais lancer une partie et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, alors moi je vais aller sur le top ici. Mais là, je vous affiche. Donc moi, je vais aller sur ce top là pour vous montrer que celui-là, il fonctionne bien. Mais là, je vais vous afficher à l'image tous les emplacements que je connais. Donc, il faut savoir que le défi, vous devez débloquer, atteindre 10 sommets. Et là, je vous en affiche 15 sur la map. Donc franchement, tout à gauche, il y a plein de sommets partout. À droite, j'en ai trouvé que 2. Au milieu, en bas, il y en a un petit peu. Voilà, après, c'est possible qu'il y en ait plus, mais moi, je ne les connais pas tous. Donc voilà, alors là je vais vous montrer ce que ça fait quand vous atteignez un top, un sommet, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, là j'arrive près du top de Willingwood et vous avez vu sur le top du top, hein, vraiment le sommet de la montagne, il y a une petite flèche comme ça. Et vous allez voir, en fait c'est comme si, voilà, c'est même un drapeau, non? C'est quoi? Maintenant on dirait une pique. Ouais, si c'est un drapeau, voilà. Et quand vous allez dessus, bim, vous avez votre emblème qui s'y affiche. Donc moi c'est le premier que je fais. Donc voilà, c'est tout stylé, je trouve, c'est vraiment stylé. Je me demande si les autres voient votre drapeau. Et si maintenant, comme moi j'ai mis mon drapeau, est-ce que quelqu'un peut conquérir ce sommet? Je pense bien sûr que oui, hein, je pense pas que la difficulté serait aussi difficile. Mais c'est possible que ce soit à usage unique, mais je pense pas. Mais si ça se passe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera vraiment marrant de le savoir. Donc voilà, là je vais aller me suicider tout simplement pour vous montrer que ça a bien fonctionné et que j'ai bien validé un sommet sur 10. Et voilà, donc de retour au salon, je vais dans les défis, je vais voir dans la semaine 6. Et effectivement, est-ce qu'elle a des différents sommets 1 sur 10 validés? Donc ce n'est que 5 étoiles, c'est dommage, je trouve qu'ils auraient pu en donner 10. Mais bon, de toute façon, il y a le quota des 45, ah non, des 50 étoiles par semaine. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors je tiens à faire une petite dédicace à une personne parce que c'est cette personne qui m'a donné envie de faire ce tuto. Et cette personne, elle s'appelle... Ardark, donc un abonné qui m'a demandé si c'était possible que je lui montre tous les emplacements des sommets de montagne. Donc voilà, grosse dédicace à toi, merci de m'avoir posé ce commentaire et voilà, j'ai répondu en vidéo, voilà tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, peace.